Bonjour à tous et à toutes, ici Oxidor. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test de mode. Et le mode, c'est Smart Moving 1.3.2. Donc, c'est avoir des déplacements pas comme habitude. Donc, pour cet épisode, nous serons en vue F5, comme ça. Donc, vous allez voir à quoi ça. Voyez que d'habitude, je ne peux pas sauter là-dessus. Il faut obligatoirement que je casse un bloc. Mais cette fois-ci, plus besoin, on peut grimper. Et encore mieux, on peut grimper 3 blocs de hauteur au maximum. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai grimpé en hauteur, voilà. Donc plus besoin de casser un bloc et de passer entre pour y arriver. C'est très très pratique puisque maintenant on gagne du temps en faisant ça. On n'a plus besoin de casser 2 blocs ici pour grimper comme ça. Une autre nouveauté, nous pouvons... sauter, ouais, plonger, ça sera pour plus tard, mais nous pouvons glisser, yeah, et ramper par après. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ramper va nous servir à passer dans des petits cubes. D'ailleurs, il me semble qu'on pouvait, non, on peut pas sprinter, je sais plus comment on faisait. Il y avait un genre de truc qui se permettait de sprinter en sneak. Donc voilà. Le, pour voler, vous pouvez voir qu'on a un petit effet Superman assez sympathique. Ouais, on voit pas ma main. Hop, comme ça, voilà, on me voit. Et en passant, petit screenshot. Voilà, petit screenshot a été fait. Donc, voilà, hop. On continue la visite de ce mode, donc... nouvelles animations quand on grimpe aux cordes. Vous pouvez voir qu'on a l'impression que je tire seulement avec mes bras et que je me pousse légèrement avec mes pieds pour monter. Donc voilà, au lieu de nous voir monter. Quand on tombe, nouvelle animation aussi, ça quand on tombe. Regardez, hop, on tombe et... Waouh, j'ai touché le sol. Nouvelle animation, donc... aux échelles aussi, on utilise nos bras et nos jambes à la place d'être toujours tout droit. Là, nous utilisons enfin tous nos membres. Encore une nouveauté, c'est... attendez. J'ai foiré. Ouf, c'est magnifique, je le sentais venir le fail là. C'est, on peut plonger, donc... très très sympathique comme effet, pouvoir plonger dans l'eau. Deux fois que je me faille, attendez. c'est parce que j'ai un petit peu difficile avec le plonger. Ah, j'ai vraiment difficile en fait avec le plonger. Donc désolé, attendez, je vais rectifier ça. Voilà, wouhou, petite plongeoire. Nouvelle animation aussi quand on est dans la nage. Donc nous sommes dans en nage de la du crawl quand nous sommes en dessous de l'eau, la brasse, et quand on est en surface nous faisons le crawl. Bien sûr, il faut avoir la souris toute droite, donc on voit par en bas. Donc non, ça c'est pas une nouvelle animation, donc je crois que j'ai tout dit. Donc de ce nouveau machin. Donc vous pouvez faire des petits parcours assez sympathiques. Par exemple, hop, on va s'en faire un petit rapide maintenant. On rampe. Et faire un petit parcours le plus rapidement possible. Donc on rampe, on rampe, on rampe, on rampe. On passe. On passe au-dessus de le mur là. On passe au-dessus du deuxième mur. Et on plonge. Enfin, le plongeoir est un peu raté, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte mais assez sympathique je trouve. Voilà, petite glissade. De l'eau, pitié. Je veux de l'eau. Je vous en supplie. Donnez-moi de l'eau. Je veux de l'eau. Je veux de l'eau. Ok. Alors, voilà, ben, la vidéo touche à sa fin. En plus, la nuit tombe dans la vidéo, donc ça tombe bien. Wow, j'ai un petit bug, mon personnage continue à courir tout seul. Hé, arrête-toi! Il veut plus arrêter de courir! Attendez, là je suis en mode... Attends. On va le calmer. Hop, voilà. Ça, il sait plus courir.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles nouveautés, de nouvelles vidéos et tout le tutti. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et pitié, abonnez-vous, pitié. Allez, je rigole. Bonne fin de journée, à plus.